Timothée est un jeune de 18 ans. Issu d'une famille chrétienne, il fit la rencontre du Seigneur à l'âge de 14 ans. Ce fut pour lui le meilleur cadeau inespéré. Mais malheureusement, cela fut de courte durée. Nous sommes arrivés à la fin du culte, donc on va passer aux offrandes. Aux offrandes, c'est 100 euros minimum. Celui-là qui a pas 100 euros, ben, voilà. Minimum. Un scandale explosa à l'église. Le pasteur est un escroc. Frustré, dépité, Timothée abandonna la foi et ne posa plus les pieds dans une église quelle qu'elle soit. Bonjour. Bonsoir. Ok. Je voudrais des médicaments, s'il vous plaît, du style, vous savez, paracétamol ou ibuprofène. Vous avez ça? C'est tout. Oui, ce sera tout. Je vous cherche ça. Je suis en mode méchant ici, ils sont bizarres. Bonjour. Maman, est-ce que je peux aller parler à ce monsieur? Non. Mais si, attends, mais si, j'ai envie de lui parler. Mais s'il te plaît, j'ai vraiment envie. Non, attends un peu. Mais s'il te plaît, il faut vraiment. Attends. Oh là là. Eh, bonjour. Comment ça va? Salut toi. Est-ce que je peux te parler d'un de mes amis? Attends, mais déjà tu. Ouais, bah ok, si tu veux me parler de ton ami, ok, vas-y, je t'écoute. Oui, bah c'est un ami, il est vraiment gentil, parce que cet ami, bah, un jour je voulais des bonbons. Ouais. Je rentre chez moi, j'ai des bonbons. Un jour je suis tombé par terre, je rentre chez moi, non. Attends, oula. Excuse-moi, ouais. Je m'embrouille un petit peu, vas-y, mais un jour je suis tombé, ouais. Il m'a aidé à me relever. Ok. Mais cet ami, il est incroyable. Et apparemment je parle beaucoup, mais ben, cet ami il est patient, il aime bien quand je parle beaucoup. Effectivement, quand je vois ce que tu dis, oui, il a l'air d'être vraiment patient ton pote. Hein, oui, mais... J'ai une question, t'abordes les gens comme ça dans la rue, tu leur parles de ton ami, déjà il est où ton ami? Ben, mon ami, ouais. Il est toujours avec moi, à mes côtés. Ah ouais, ok. Jeune homme, ouais. Vos médicaments. Ah. Merci. Tenez vos sous. Bon. Bah, attends, du coup. Je dois y aller, moi. Non, vraiment, s'il vous plaît. Attends, tiens. Ah, mon petit gars, attends. T'es, je t'aime bien. T'es, je te dis la vérité, t'es, je vais pas être méchant avec toi. Ouais. T'es l'histoire de Jésus, c'est pas vrai. Non, mais si, c'est vrai. Non, attendez. Comme je dis, juste t'expliquer. En fait, toi, les pasteurs, t'es, tout ça, ils te racontent beaucoup de trucs pour t'emmagasiner l'esprit. Non, ils veulent rien me faire. Mon ami, il existe vraiment, Jésus, il existe, je te dis. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Oui, je te dis que c'est vrai. Ouais, mais tu sais, moi, je croyais à cette histoire de Jésus, tu sais, j'étais trompé, mon gars. Je comprends ce que tu dis, je comprends, tu sais. J'apprécie vraiment ce que tu fais, mais l'histoire de Jésus, je comprends, mais merci. Mais Jésus, c'est ton ami. C'est l'ami de tout le monde, c'est... Emmanuel. Jésus, il aime tout... Oui ouais. Allons-y. Non, mais s'il te plaît, vraiment, attends. Bon. Et je vais y aller. N'oublie pas. Je vais y aller. Ouais. Bon, allez. Joyeux Noël. Ouais, salut. Bon, merci. Tout est là, 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 là. Psaume 91, ça c'est mon. C'est mon psaume. Salut, maman, ça va? Ça va, mon fils? Ouais, ça va et toi? Ça dit quoi, wesh? Oh, arrête, je vous ai arrêté de dire ça, maman. Ah, moi, je suis maman fashion, hein. Je suis pas vieille. Oh, ouais. Oh, aujourd'hui, hein, c'est une journée un peu spéciale, je t'avoue. C'est quoi? Et j'ai rencontré un gars, là, déjà, j'ai fait un rêve bizarre et tout, mais j'ai rencontré un petit. Quand tu m'expliques, prends ton temps. Mais maman, mais attends. Mais il t'a dit quoi? En fait, il me parlait de Jésus, tout ça, c'était bizarre et tout. J'ai du mal à comprendre et tout. Et il me parle d'un ami. Au départ, il me parlait de Jésus comme ça. Mm-hmm. Il me parle de son ami. Je savais pas c'est qui son ami là. Et il me dit ouais, mon ami, il est ici, mon ami, il est sympa et tout. Mais c'était bizarre et tout. J'ai pas compris. Mm-hmm. Et j'ai dit pourquoi il est venu me voir moi, il est seul, là, pour voir quelqu'un d'autre et tout. Mais il est venu vers moi. Et j'ai pas compris. Et puis là, il commence à débiter. Il me raconte, tac, il enchaîne et tout. Au départ, je suis un peu saoulé, tu vois. Mm-hmm. Mais bon. J'ai pas voulu le blesser, donc j'ai laissé faire, j'ai écouté et tout, et puis voilà. Mais pourquoi tu t'entêtes à refuser Jésus? Mais... Tu sais très bien que c'est pas tes pensées, c'est des forteresses, c'est ça qu'il faut briser ça. Ouais, elle recommence. Non, mais tu sais, je t'ai déjà dit, maman, ça c'est du passé, là, c'est derrière, ça c'est avant. Ça fonctionne plus, ça. De toute manière, depuis que tu traînes avec ton camarade Naïm,
Ça me va. Noah déjà. Naïm, non, moi je suis pas ta camarade. C'est la dernière fois que tu me corriges comme ça. Pardon. T'as compris? Oui, non, mais c'est bon, je t'ai déjà dit. Non, mais tu sais, en plus, Noah, moi, je trouve qu'il a raison. C'est vrai. Hein. Les histoires d'église, là, tout ça, les histoires de Jésus, là. C'est des bêtises, là. Il faut pas écouter ça. C'est n'importe quoi. Si c'est vraiment des bêtises, pourquoi t'as accepté Jésus dans ta vie alors? Non, mais attends, mais après, non, mais. Après, je dis pas qu'on m'a forcé, mais. Au départ, c'était pour faire plaisir et tout. Mais... Faire plaisir à qui? Ah, je sais pas, et ouais, il y a papa et tout, il y a papa, je peux pas lui dire, ouais, je veux pas suivre Jésus, tout le monde est chrétien, le cousin est chrétien, même, ouais, c'est, même si vous, les chrétiens, je suis quand pas. Quand t'allais à la réunion de la jeunesse, à la J, à réconcilier, moi j'étais pas avec toi, quand tu disais pas d'y aller non plus, Ouais, la dévotion que t'avais pour Christ, le zèle que t'avais pour Christ, quand t'allais évangéliser, moi je te disais pas d'aller évangéliser, c'est toi et ton propre amour pour Dieu qui t'a poussé à aller évangéliser. Tout le monde sait que tu t'entêtes. Jésus, il te cherche, il t'appelle. Parce que lui, il t'aime réellement. Un pasteur peut te tromper, mais Dieu ne va jamais te tromper. Et il t'aime encore. Ouais, bah, ouais, si m'aimait tellement, bah, il n'avait pas qu'à me laisser me faire tromper par les gens, et puis c'est tout. Hein. Ouais, on dit Jésus, si, Jésus, ça, mais rien du tout. Hein. Mais là, tu as été éclairé. Jésus t'a éclairé. Rappelle-toi de la conférence Bana. On nous a dit quoi? D'être des hommes éclairés, des fils, des pères éclairés. Ouais, c'était bien. Éclairé. Dieu t'a dit. Maintenant, tu es conscient que le pasteur n'était pas un vrai pasteur. Dieu t'a pas laissé dans l'obscurité, vu que maintenant, tu es conscient qu'il n'est pas un vrai pasteur. Donc, Dieu t'a aidé. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est à toi de voir. En tout cas, ce soir, il y a le repas de Noël. Ouais. Tu peux sortir, donc tu ne dures pas longtemps dehors. Et tu dis à ton avant frère de sortir, rentrer. Ouais, il est 18h, je vais y aller. Voilà, en tout cas, bah, on va y aller et puis on va changer un peu les idées. En tout cas, réfléchissez bien. Ouais. Ça se passe, c'est quoi? Sur la table. Ok, pas. Bon, je te dépose les médicaments ici. Hein. Ok, on rentre pas trop tard. Hein. Ouais, t'inquiète. Ça va, toi? Ouais, ça va bien. Ouais. Tu vas où? Voilà, je vais sortir. Hé, Amour! Hé, Océan! Oh là là, ma chérie! Non, faut que je te raconte. Non, le rêve, le rêve. Oh, maman. Non, viens là, non. Faut que je te raconte, là. Le rêve, là, le rêve, là. Ouais, je t'écoute. Quoi, cette histoire de commérage, là, encore? Non, oui, le rêve. Raconte-moi, je t'écoute. Allô Simon. Ouais, allô Simon. Ah, tu m'appelles pour me dire de rentrer? Non Simon, je t'appelle pas pour ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est maman, on a dû l'emmener à l'hôpital. Elle a un problème maman? Il lui arrive quoi? T'oublies qu'elle a une forme grave de la trypanocytose? Oui, oui, attends, oui, je sais, mais... Enfin, ouais, toi, j'ai amené ses médicaments et tout, tu vois, ces trucs, parce que tu vois, elle fait des crises vaso-occlusives, des trucs comme ça. Enfin, c'est ce que le médecin m'avait dit. Et ouais, du coup, tu vois, j'ai essayé de lui apporter ça pour que ça puisse la calmer et tout, mais du coup, c'est quoi le problème? Même avec la greffe de la moelle osseuse, c'est impossible de la guérir. Quoi? Les médecins, ils ont tout fait. J'ai même essayé de prier, j'ai tout essayé, j'arrive pas. Ça marche pas, je sais pas comment on va faire là. Bon, je te laisse. J'ai quelques documents à trier là et j'arrive. Tarde pas trop, hein. Je pense que vous êtes trompé là, enfin, j'ai rien commandé là. Oh, c'est un cadeau de la maison. Je crois que vous en avez vraiment besoin. Attends. Mais vraiment besoin. Vous êtes sorti de tout là-bas, vous avez le courage de sortir dans le froid comme ça et m'apporter le café comme ça? Ouais. Vous en avez besoin? Pourtant, je pense que la vraie chose dont j'ai vraiment besoin maintenant, c'est juste un peu d'espoir.
l'espoir vous dites, hein. Ouais. Pourtant, il est si facile d'en avoir. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah, il doit super facile votre espoir, votre truc, là. Ouais. L'espoir, hein, non. Quoi, vous me donnez encore un autre truc? Ah, ok, ouais. Ouais, ok, c'est bon, ouais, j'ai compris. J'avais vu la tête, je vois le logo et tout, là. Il y a la phrase au-dessus de votre stand. Vous êtes quoi? Enfin, oh, c'est gentil. Ah ouais, j'ai reconnu votre truc avec chrétien et tout. Bon, après, vous savez, bon. Bon, je respecte, hein, mais merci beaucoup. Merci. Après, c'est pas si facile que ça, vous savez, d'y croire et tout, là, c'est pas si facile que ça. Il vous suffit juste d'y croire. Croire que quelque chose de plus grand que vous est capable de régler tous vos problèmes. Ah ouais, l'espoir, y croire. Ouais, y croire. Il vous suffit juste de croire que tout est possible. Si vous voyez quelle position là, machin, je vais venir vers Jésus, là vous rêvez, hein. Moi je vais pas venir, hein. Non mais hey, moi je vais pas chanter, hein. Non, moi je chante pas. Ouais, c'est bon, arrêtez, j'ai compris. Ah, c'est un beau frère, non. Mais sûrement en plus. C'est la Philippe, honore Dieu. La Philippe. Ah. Et tu comptes encore que c'est un hasard. Ah, ouais. Ah, merci. Ah, ça me fait plaisir, vous le sachiez, merci. Ah. Oh là là. J'ai ça. Eh, hey, non mais. Moi je veux chanter. Just believe. Just believe. Merci. Franchement, merci pour votre musique là. Enfin, franchement, là je suis un peu chamboulé avec tout ce que vous me racontez là parce que je sors de trucs un peu difficiles là. Enfin, vous arrivez comme ça, les beignets ils arrivent, le café il arrive. La grâce. Mais franchement, je vous dis, mais. Non, j'ai l'impression d'être dans un film là. Il se passe quoi là? Non, franchement, je vous dis vraiment merci à tous. Hein. Je sais pas d'où est-ce que vous sortez. Déjà, des gens en toge comme ça là, dans une ville comme ça. Là. C'est... Bon, ouais, c'est Noël, ok, mais franchement, merci. Enfin, j'apprécie. Bon. WhatsApp. Ah non, les enfants et tout. Oui, les enfants, ils sont dans la rue. Bon. De retenir en vélo. Mais non. Mais ça s'est fait pas. Ah. Mon 4x4, tu sais. Eh. J'ai une nouvelle pour vous. Quelle nouvelle? C'est quoi ça? En fait, je crois que j'ai compris. C'est toi? Non, enfin. Bizarre Vous savez, là, c'est l'histoire de Jésus, là, ça m'a un peu tourné l'esprit. Je t'avoue que je suis un peu. Mais. Faut se faire à la raison. C'est vrai. En fait, je reconnais. En fait, c'est moi qui étais aveuglé auparavant. Ouais, je sais, bon, ça fait un peu bizarre, surtout venant de moi, là. Mais oui, enfin. Il est là. En fait, il ne m'avait jamais abandonné. Je croyais qu'il m'avait abandonné, mais. C'était plus moi, avec mes façons de penser, mais non, il était là. Donc je suis de retour à la maison. Amen, gloire au Seigneur. Il était là, parce que là... Enfin, parce qu'il est quand même. Comment il s'appelle le petit qui t'a parlé, là? Bonsoir. Ah, bonsoir, papa, comment ça va? J'ai entendu des nouvelles, là. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois que... Non, je reviens au Seigneur, en fait. Là, je fais vraiment ma démarche vraiment pour vraiment revenir. Là, je l'accepte dans mon cœur. Je reconnais que je m'étais écarté. Je reconnais que je faisais un peu la sourde oreille, mais là, c'est pas grave. Là, je peux faire ça. Ah, du coup, tu sais quoi? Content de te voir assis dans la vérité, mon fils. Oh, papa. Arrête. Et en fait, je prie que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, te guider. Balanda.
Ah ouais, bah non. T'as le truc de Dieu, donc vas-y quoi. Merci. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et voilà, j'ai embrassé mon fils. Bon, pour célébrer ça, on va rendre l'or au Seigneur. Ouais. Tenons-nous les mains. Père éternel, je te rends gloire et je te dis merci parce que tu as fait la grâce aujourd'hui que mon fils soit éclairé. Qu'il se rende vraiment compte que Seigneur, toi tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne personne. Ô Seigneur, maintenant qu'il est entre tes mains, Seigneur, je le remets entre tes mains, Seigneur. Et je déclare que tout plan contre sa vie sans nul et sans effet. C'est ça, j'aime pas vos comportements. Ah, Timon. Mais c'est pas ma faute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, Timon, regarde. J'ai reçu un snap d'un pote à moi, il fait partie du numéro 1. C'est quoi, c'est un groupe de jeunes? Ouais, c'est la vie. Je vais les exécuter. Ah, c'est ça? Ah, mais c'est bien, non? T'as vu, j'ai des mains de vie.